Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media, je suis Abner Gelin. Jeudi en ce dimanche, c'est 3 octobre 2021. C'est un honneur et un plaisir parce qu'il y a une chance pour me capable là. Moi, je veux dire merci à toutes les amis, toutes fanatiques, familles, quel que soit côté que vous êtes. Bienvenue sur Haitian Public Media et bon dimanche. Hier, nous avons une chance pour nous parler de situation qui a passé en Haïti, relation avec les États-Unis. Côté, tu as gagné une délégation qui montait en Haïti pour aller parler avec l'autorité haïtienne. Mais pendant la délégation, tu as une conférence de presse qui était faite et les États-Unis ont fait des déclarations. Nous allons discuter de ça qui est dit et qui complications qui gagnent là-dedans, malgré que nous avons parlé de bagages hier. Même passé tout hier soir, m'a examiné parole yo, m'a écouté yo et moi tendez parole yo en relation de l'histoire d'Haïti. Nous allons discuter parce que ça qui me comprend dans ça qui fait là, il y a un piège que les États-Unis tendent pour les Haïtiens et moi senti qu'il y a une possibilité que les Haïtiens puissent tomber dans le piège là et eux ne sont pas capables de sortir. Avant que nous entrions dans le détail, nous avons encouragé autant prix vignon membre. C'est très facile, subscribe. En bas là, il y a un petit bouton qui marque subscribe, en cliquez sur lui. À côté, il y a un petit cloche, choisis cloche là, ou tirez-le sous personnalisé, mettez-le sous tout ou bien all, afin que chaque fois nous montons pour capable connaître. Nous voulons qu'on remet vidéo ça tout, c'est un bagage très facile et ça permet que nous avancer. Il y a un petit bouton qui s'en donne pouce. Cliquez sur l'icône là ou pas même perdre du page côté hier. Après ça, vous êtes capable de faire commentaire, faire entendre, faire comprendre ça que vous pensez et finalement partager channel avec vos amis, vos familles, au monde que vous connaissez depuis que vous pensez à bénéficier. On nous parle. Haïti gagne 217 années depuis que nous prenons indépendance nous. De 1804 à 2021, ça fait 217 années. Dessalines, c'était premier président pays avec Jovenel Moïse comme dernier président qui passait sous pouvoir pays d'Haïti. Si nous avons compté président ou bien monde qui en tête pays de 1804 à 2021, nous comptons 70. Et si nous voulons inclure Ariel Henry parmi eux, ça fait 71 moun groupe qui gouvernaient le pays d'Haïti comme chef dans tête pays. Entendez bien. De 1804 à 2021, il y a 71 chefs qui passaient dans le pays. Parmi 71 chefs sayo, il y a 45 nan yo qui étaient président et 25 ou bien 26 nan yo qui c'est président provisoire, mais quand même qui c'est président. Allez, dans le sens, sont série des groupes, mon organisation qui paraît dans mi-temps pendant que yo fin déchouquer un président ou bien tout y est assassiné. Eh bien, nous avons gagné un moment de transition. Eh bien, le Sahara, nous gagnons 25 à 26 moun ou bien groupes qui passaient en Haïti. De Dessalines à Jovenel Moïse. Vous voulez pour nous comprendre. Pays où là? De 1806 à 1820, Haïti était divisé en deux parties, nord et sud. Pas de jambes qui ont lait dans la République Haïti, côté que le pays a uni. Jamais. C'est déchoucaille, assassination, transition. il y a seulement 8 présidents non capables de compter qui montaient sous pouvoir et qui retaient jusqu'à ce qu'ils finissent. 8 seulement. Parmi 8 ça yo, 4 nan yo, cependant nous sommes en bas occupation des États-Unis. Ça veut dire, Haïtiens, c'est seulement 4 présidents parmi toutes 71 yo qui vraiment étaient sous pouvoir, qui fait tout le temps sous pouvoir. Vous voulez pour comprendre ça m'a dit là. Pas de gagnant temps que Haïtiens jambes unis. Ça n'a pas existé. Union dans le gouvernement haïtien en Haïti, ça n'a pas existé. Aux États-Unis, qui dépendent indépendance avant nous, il y a seulement 46 présidents. Nous avons 71 différents leaders. Ok. En Haïti, sous-gardé emblème, non. Il y a un mot là-dedans que Haïti toujours promoté. L'union fait la force. L'union fait la force. Pas gagné yon peuple qui parlait de l'union plus que peuple haïtien. Ça veut dire que nous croyons dans l'union. Parce que nous croyons que si nous unissons nous ensemble, nous venons force, nous sommes capables de surmonter quel que soit l'obstacle qui nous a rencontré. Nous sommes tellement quoi là dans lui, nous écrivons même dans l'emblème drapeau nous. L'union fait la force. Même si on dit nous consacrons pas de gens, pas de gens leur. Côté que le peuple haïtien est uni. Ça n'a pas existé. C'est toujours division. Nous pas jamais de confiance dans un monde que le peuple a choisi. Toujours un petit groupe qui bataille l'un contre l'autre. Et pas jamais un groupe en Haïti qui satisfait de sa cafette là. Yo tout pensé c'est eux-mêmes qui connaissent, c'est eux-mêmes qui gagnent solution. Pas jamais union dans le pays. Et c'est ça que fait je dis là, on a plus de 200 partis politiques dans un pays, un petit pays. Chaque gen yon idéologie différente. Ou ka penser, ou ka imaginer ou gen plus de 200 idées des groupes de gens dans un petit pays. Ça veut dire Haïtiens même pas nature laisser un peuple qui divisé. Pas nature. Parce que sous examiner Samson Dioulayo, de l'indépendance à aujourd'hui, je vois combien de présidents qui passent. Je montre comment que Haïti est toujours divisé. 3 cas, bon, plus que 3 cas, dans le président, c'est déchouqué. Donc, on peut voir dans quel degré de distress que Haïti est. Ok. Maintenant, nous gagnons les États-Unis qui sont bons amis Haïti, comme on montré nos mariages entre ces deux pays. Pour continuer, ça ne t'a pas parlé d'hier. À cause de situation politique, bagay immigration, vous voyez en Haïti. Yon l'autre groupe représentation pour aller parler avec nous. Joe Biden qui t'a voulu toujours qu'il y ait une relation avec pays hein, et qui voulait montrer qu'il voulait que Haïti prenne l'autre direction, voyez représentation li pour aller paraître pour aller chita ensemble avec tout leader yo pour parler et discuter. Mais pendant la conférence de presse t'a faite en Haïti semaine ça là, les États-Unis fait Haïti une demande, ou bien ils fait autorité nous une demande. Demande l'homme est capable de dire non censé prouver ça qu'on croit. On va parler de l'union, fait la force. Montrez-nous l'union. Montrez-nous l'union qui gagne la cailloua. Faites-nous elle, s'il vous plaît. Montrez-nous. Moi d'ailleurs que nous tous ensemble réunis. Nous tous réunis et présenter un plan pour le futur pays noir. Moi, nous tous réunis. Je connais plusieurs accords qui fait partout. Ça, c'est Américain qui a parlé. Il y a plusieurs accords qui fait. Dans tous côtés, il y a des groupes ici, des groupes l'autre bord, plan ici, plan l'autre bord, idée ici, idée l'autre bord. Tout c'est bien. Je ne vais pas démentir une, je ne vais pas dire une, puis je vais passer l'autre. Mais ce n'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin nous tous pour nous chiter ensemble. Pour nous présenter une seule vision pour Haïti. Une seule vision pour Haïti. Li prend nous 217 années, nous pas de café, mais qu'on y a là, puisque nous pensons, nous avons capacité. Puisque nous pensons, c'est nous-mêmes qui permettons qu'on ne soit pas capable d'avancer. Puisque nous toujours critiquer les États-Unis, nous faisons connaître que c'est nous-mêmes qui empêchons d'avancer, eh bien, bon nous, union sacro à prêcher. S'il vous plaît, bon nous. Les États-Unis décident, ils disent, bon, moi-même, pas entrer dans la cause, non? Je ne veux pas entrer dans la politique haïtienne. Je ne veux pas les solutions haïtiennes sortir la caille haïtienne. Maintenant, je ne veux pas entendre ni du groupe Montana, ni du groupe Lambert, ni du groupe Jovenel, ni du groupe, quel que soit le monde, je ne pas besoin d'entendre. Ni du groupe Michel André, non. Je besoin pour nous tous chita ensemble, pour nous appliquer croyance nous, et pour nous, faire nous un plan qui est basé sur toute idéologie panuyo et qu'on y a là pour nous avancer avec un plan. C'est ça qui est demandé. Question qui a posé, qui a une pensée, élection pour le fait. Les Américains disent, c'est bon bagay qui est capable de dire non, on ne peut pas répondre bagay ça. Ça, c'est Haïtien qui pourra décider. Qui l'a eu l'élection faite? Et l'élection pour le fait, lorsque tout ensemble va chita, ils unis et ils viennent avec un plan et une vision pour le pays. Ça, mesdames et messieurs, ces pièges-là. Nous connaissons très bien. On bagaille comme ça, ça fait me content. Parce que finalement, pays étranger a retiré pied sous cou peuple haïtien. On est content. Mais pourquoi ça ne suis pas content? Parce que me connais, ça n'a pas besoin de fait. Haïtien pas gain capacité pour unité. Et c'est ça là, c'est piège là. Les États-Unis disent que montrez-moi capacité pour nous unir. Fais-moi union que nous pouvons paraître avec là. Montrez-moi qui ça nous capable de faire. Montrez-moi. Si par hasard nous voulez avancer, nous devons chiter ensemble pour nous porter solution. Et les États-Unis promettent la campagne d'Ayel et respecter l'union ça. Ce n'est pas désir nous pour nous entrer dans l'affaire haïtienne. Nous voulons Haïti réussir. Nous voulons Haïti gagner succès. Mais nous voulons succès, ça, c'est dans les mains haïtiens pour sortir. C'est haïtiens même qui doivent forger un futur pour pays. Nous-mêmes, nous ne voulons pas entrer là-dedans. Question que nous avons posée, mesdames et messieurs, est-ce que nous pensons que pour avoir succès, est-ce que vraiment il y a un parti politique en Haïti, un groupe en Haïti qui peut aller négocier avec Ariel Henry? Est-ce que nous croyons que Lambert peut être d'accord pour le perdre chance libre d'un président? Est-ce qu'il croit ça? Est-ce qu'il croit que André Michel, bon côté pâle, il pourra l'accepter pour l'autre groupe qui entrer dans l'accord qu'il a déjà signé avec Ariel Henry? Pour nous, sincèrement, André Michel, il est très subtil, très intelligent tout. Qui ça qu'il fait? Il couille très vite, là, il entre en accord avec Ariel Henry. Pour qui ça qu'il fait ça? Selon moi-même, il garde l'inscript là, il garde la situation. Il y a une politique que Ariel Henry a menée, qui est une politique très intelligente. Qui ça Ariel Henry dit? C'est bien sérieux. Ariel Henry regardé li wè que bataille tout côté. Côté que pas gagné union parmi tout groupe ça de là. Lambert, tout désir c'est pour le président. C'est lui-même qui veut le président. Et il voulait que Ariel Henry était comme premier ministre mais lui-même pour le président. Mais il voit aussi, Ariel Henry voit aussi que ce n'est pas tout l'autre groupe qui remet l'idée ça. Eh bien, qui ça Ariel Henry fait? Il dit pas de problème. M'a ouvert porte là bas tout le monde qui t'a levé collaborer avec moi. Pas de problème. Et c'est ça tout qui cause, qui fait que les États-Unis back Ariel Henry parce que Ariel Henry semblait il parlait en langue d'union. Malgré son piège que lié tout parce que Ariel Henry pas gagné rien pour avec union, c'est pas quoi le la donne. Mais il utilisait pour un bénéfice politique. Parce que il pas fermé porte à personne. Il déjà en l'est déjà. Il pas dit moun pas venir. Il seulement montré que sous pense au pour venir président sous lit, ça pas fait du tout. Mais en ce qui a trait à participation par dans la coalition qui lui-même l'a bâti, you are welcome. André Michel lui-même, mais ça qu'il ouais. Ça qui intéresse le pas quoi c'est le président. Mais c'est influence politique et l'argent. Bagay ça yo c'est eux-mêmes qui a poussé André Michel, il dit bon pas un problème. On peut attacher bon côté Ariel Henry parce qu'il est déjà sous pouvoir. Hein? Et Jean Bagala il là, pas quoi qu'il pourra quitter le pouvoir facile parce que pas une personne qui pourra le paraître devant pour t'avoir un président. Dans ce sens ça, m'a couru très bonhomme pour signer un accord et m'a prêté là. Après ça tout l'autre groupe y a bataille. Si pas hasard groupe ça yo pas ta vle entrer puis yo collaborer avec Ariel Henry, c'est yo ka perdu. Parce que les États-Unis déjà endossé Ariel Henry. Qu'on y a là, il mandé pour toute l'autre qui ta vini pour venir travailler avec Ariel Henry, ensemble pour venir avec un seul consensus pour pays capable avancer. Question, est-ce que nous pensons qu'il y a une possibilité Dans le climat ça qui est en Haïti, côté nous pour aller joindre un accord avec tout le monde ça yo. Donc, il est possible. Les papes qu'a fait parce que Haïtiens pas connaît qui gens pour négocier. Haïtiens pas perdu. Haïtiens pas aimé côté que ça le croyait ou capable retrancher pour un petit cal là dans jeter reste là. Non. Il veut que toute totalité de croyances li c'est lui-même qui doit gouverner. Pas une autre idée encore. Et lorsque Haïtien lui-même li gon bagay kontou, même leur ta changé position, Haïtien toujours kontou. Li pa changer l'idée. Les États-Unis pour bénéficier de gens de bagay ça là parce qu'ils connaissent Haïtien pas capable unil. Si nous sommes capables de résumer ça qui est passé là, les États-Unis ne viennent pas de l'union vraiment. Ils viennent de division. Division parmi un peuple qui est déjà divisé. Ils ont utilisé faiblesse, la caillou, pour capable rendre nos plus divisés. Et finalement, au pas de choix, il faut retourner ou demander ou venir aider. Un bon exemple. Où est réunion ça qui fait là parmi les Haïtiens semaine ça là? Mais qui ça que tout le monde s'est inspiré? Tout l'idée ça yo. Qui ça qui t'est inspiré? Yo t'es espéré que les États-Unis t'ont venu avec un plan. Yo est apparaître avec un plan pour yo. Yo pensais que yo est venu dire comme ça que mais ça que m'vle pour ça fête, pour ça fête, pour ça fête. C'est ça que t'es espéré. Malheureusement pour eux-mêmes, les États-Unis tendaient parole en pile monde, en pile critique, surtout foot qui déclarait il est temps pour les États-Unis de retirer colis dans la politique haïtienne. Et aussi ils tendaient, c'est pas deux haïtiens tout cap plein cap dit que retirer pied au sous nous quitter prendre propre responsabilité nous nous pas vouloir pour entrer dans la politique non encore. Parole ça li clair. Et à cause de ça, les États-Unis disent pas un problème. Moi pour le retirer comme dans la politique haïtienne. Mais ça qui m'a fait pour nous. Je n'ai pas besoin d'entendre accord Montana, accord left, accord right, accord en l'air, accord en bas. J'ai besoin d'un seul accord. Que nous tous réunis. Attendez, je vais vous montrer pour nous samedi, nous là, ce n'est pas en vérité que lié. Les États-Unis gagnent démocrates, républicains et indépendants. Trois partis politiques, mais c'est deux qui sont plus actifs. Ok. Est-ce que Jean moi les États-Unis, chita, dans une élection quelconque, pour autant d'idées l'autre groupe là? Non. Chaque groupe a une vision pâle. Il a voté, il a une élection, et il a une montée dans yo. Seul qui yo chita ensemble pour négocier. C'est lorsque la Chambre des députés ou bien le Sénat, yo abchita. Puis yo discute bagay pour pays en sens ça nous dit qu'ils veulent dépenser comme pour on bagay tant qu'une infrastructure, yo chita puis yo venir ensemble, yo négocier puis venir à une solution. Mais en ce qui a trait à gouvernance, c'est parti qui en place là qui prend pouvoir. C'est-à-dire que parce que l'impossible pour que yo unis de façon ça. Mais il y a pile de bagages qui sont unis. Il connaît bien que l'app impossible pour que les Haïtiens soient unis. Il y a un peuple qui déjà croit dans la division. Il y a un peuple qui passe 217 ans à bataille l'un à tuer l'autre. Les États-Unis connaissent l'impossible. Et c'est ça qui fait même qu'ils présentent un plan d'impossibilité sabayo. Et je te dis sincèrement, Haïtien ça a sorti, tête baissée, honte, et avec un pile problème. Parce que ça a été besoin, ça a été espéré, c'est pas ça qui rejoint. Yo pensez que les États-Unis ont ba yo liberté ça, mais ça qui veulent pour nous. Et c'est ça que Haïtien lui-même veulent. Les deux Haïtiens yo pas veulent gouverner, yo veulent son l'autre pays qui veut gouverner pour yo. Eh bien, c'était une déception totale pour tout le monde ça yo. Parce que les États-Unis ba yo yon bagay ki yo pa jamais capable de faire. l'impossible de faire. Yon bagay, selon emblème pays d'Haïti, qui t'a supposé yon bagay très facile. L'union fait la force. Unis-nous. Bliez ça qui nous voulons. Bliez ça qui nous remet. Gardez objectifs et besoins pays. Unis-nous ensemble pour nous avancer. Ça qui est bon pour le peuple haïtien avec tête nous. Mais non, haïtien pas capable de faire. Et à cause des faiblesses ça, US dit pas de problème. Puisque nous pensons que nous sommes capables d'avancer le pays. Puisque nous pensons que nous sommes capables de changer le climat politique dans le pays. Bon, moi, montrez-moi l'union ça. Montrez-moi comment nous pourrons chiter ensemble pour nous négocier. Bon, moi, changement de cœur qui pourra venir là. Et moi-même, je vais camper à côté, je vais garder nous. Même pour seulement accepter lorsque nous avons un accord qui complet, un gros accord avec tout le monde là-dedans. Tout parti politique, tout groupe doit réunir pour nous venir avec un plan pour changer le pays. Nous. Parce que le changement d'Haïti, ce n'est pas le travail PAM que lié, c'est le travail pour comme haïtien. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est là que nous sommes. Est-ce que nous pensons que Haïtiens pourraient être capables de faire travail ça? Nous pensons qu'ils vont lever des défis ça. Est-ce que Haïtiens en Haïti, politiciens, pour vraiment faire un vol de face, une confession, une conversion, puis dire bon, cette fois-ci, nous comprenons la situation, hein? Nous prenons décision, nous prenons jeter toute idéologie que nous gagnons pour nous chita ensemble avec Fren pour nous travailler. Nous ne pouvons pas ça du tout. Mais quand même, si des gens parmi nous là qui croient le temps pris, Fren connaît, est-ce que c'est vrai? Haïtiens capable de faire. Jeudi à ce dimanche. Passez une très bonne journée. Non, moi c'est Abner Gelin pour Haitian Public Media. Que bon Dieu garde nous. Bye bye.